La tête de Wam. Gros, gros, il y a vraiment un truc gros. La vie de ma mère. Quoi ? Mec ! Salut Sidon, aujourd'hui ce qu'on va faire les amis, nous allons tester la pêche à l'aimant. Ça fait un moment que je vois plein de vidéos, mon aimant est déjà dégueulasse. Ah ! Mais bref, ça fait déjà un moment que je vois des gens faire des vidéos, il y en a beaucoup, vous connaissez, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont percé grâce à ça. Et j'ai envie de tester pour la première fois, voir parce qu'il y a beaucoup de fake aussi, donc nous on va voir s'il y a beaucoup de choses. Donc pour ça, j'ai pris un aimant qui coûte une trentaine d'euros, j'ai tapé pêche à l'aimant tout simplement sur Amazon, et je suis tombé sur une corde de 20 mètres avec l'aimant qui aimante plutôt pas mal. Je crois qu'on va essayer là, regarde. On va... Frère, regarde bien. La vie de ma mère, tu veux tester ? Ah, ok, c'est bon. Bah, vous avez compris, hein, déjà, c'est plutôt pas mal. Là, on est à côté de Maison Alpha. Vous voyez le pont, vous reconnaissez. Pont très joli, architectural, très important. Alors, ce qu'on va faire, regarde, c'est très simple. On va jeter à chaque fois l'aimant assez loin. Et logiquement, c'est comme ça qu'ils font dans les vidéos. Et essayer de récupérer un maximum de choses. Dans la Seine, sachez qu'elle est très polluée. On peut retrouver de tout. On peut retrouver des trottinettes, des voitures, des cadavres, vraiment de tout. Pour même une anecdote, j'ai jeté ma tortue ici un jour parce que bah, elle devenait trop grosse. Voilà, ça. C'est la mairie de Paris, passe par là. Alors moi, je sais pas, j'ai mis le bouc ici. Je sais pas si c'est bien. Mais s'il y a des youtubeurs pêcheurs d'aimants qui veulent tester avec moi, n'hésitez pas, avec plaisir. Ce qu'on va faire, c'est déjà l'attacher. Donc ça, pour ça, hop, j'ai des gants, bien évidemment. Tu les as mis où? Ok, on a des gants, hein, parce que quand même, la scène est dégueulasse. Là, ce que je vais faire, c'est attacher le truc. Alors, je sais pas faire un bon nœud. Donc on va essayer quand même. Alors, attends, je vais essayer de faire ça bien. Hop. C'est déjà de la merde. Je sens que je vais jeter, je vais jamais récupérer la corde. Mais regarde, ça tient pas. Sachez que là, on fait la première partie. Si vous aimez ce genre de vidéo ou si on trouve des trucs, sachez que bien évidemment, il y aura un épisode 2. Et aussi, bah, on va le faire du coup dans la Seine ici à Paris. Mais aussi, parce que vous savez que je suis souvent à Clermont-Ferrand en ce moment et que je vais peut-être déménager là-bas. Salut les abonnés. Et bah, sachez que je vais faire là-bas, il y a des fleuves. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que là-bas, il y a eu la guerre et tout. Donc peut-être trouver des choses. Si on trouve un obus, frérot, court, ok. Un obus, c'est parce quoi? C'est genre, en gros, je t'explique, c'est très rare. Pendant la guerre, en fait, il y a eu des gens qui jetaient des bombes, des bombardements, etc. Les obus, c'est tout simplement un missile qui est malheureusement amorcé, mais que si tu déterres, bah, faut appeler les flics direct ou les démineurs, parce que ça peut exploser. T'as pas peur? Aussi, ce qu'on trouve, si jamais, je tiens à préciser pour mon caméraman, si on trouve de l'or, on devient riche et que demain, on doit se payer plein de prostituées avec, bien évidemment, des Lamborghini, etc. Sachez que, bah, je te le dis pour toi, parce que voilà, je partage pas avec mes abonnés, je partage pas avec toi, frère. C'est carré? Je t'achèterai peut-être à l'aide de 3 Mr Freeze, parce que là, il fait chaud. Ici, sachez qu'on va pas laisser la merde du tout après. On va aller la jeter, d'accord, hein, vous inquiétez pas. Bon, je t'avoue, je suis pas serein. On va tester, hein. Frère, j'ai peur, mais d'une puissance. Je sais, ah, je sais que ça va être dégueulasse après. Bon, je teste, je jette, j'ai peur. En fait, si j'ai peur de quoi? De perdre l'aimant et de... Vas-y, je teste. Non. Ok, je vais tester, hein. Je prends la corde assez long. Je suis pas un pro, il y a un bateau qui arrive, gros. La vie de ma mère, il y a un bateau qui arrive. Mais t'imagines, je m'aimante à lui et je pars comme ça, gros. Ah, vas-y, on va tester. Tu sais quoi, on va tester là, parce que le bateau, le temps qu'il arrive, je jette, hein. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Je vais jeter un peu là, comme ça, lui, t'as vu, il va pas me saouler. Le bateau, frérot. Il casse les couilles. Ok, c'est parti, hein. Bon, bah déjà, j'ai fait un nœud, déjà. Ok, c'est parti. Zoubida. Oh, the bee. Donc là, je pense qu'il faut attendre, histoire qu'il aille vraiment tout au fond et remonter vraiment petit à petit, tout doucement. Ah, je pense qu'on n'a rien, gros. Il y a quelque chose? Non, il n'y a que de la merde. Vas-y, je vais le jeter plus loin. Je sais pas si ça continue à descendre. Dites-moi en commentaire, hein, pour les pros. D'ailleurs, vraiment, s'il y a des youtubeurs qui veulent faire des collaborations avec ça, franchement, je veux bien tester. Moi, je teste vraiment pour la première fois. Ça se trouve, on va rien avoir, hein. Comme on va avoir quelque chose. De toute façon, si dans le titre, il y a marqué « Waouh, incroyable ce que j'ai trouvé. » Gros, gros, la vie de ma mère, gros, il y a un truc. Je sentais un truc. Mais t'es bloqué, non? Ouais. Gros, je sentais un truc. Non, mais j'ai senti un truc, par contre. Je sais pas c'est quoi, mais y a, ça se trouve, il y a une carcasse de voiture. Attends, je vais me mettre sur le fil comme ça. Comment ils font pour trouver des trucs? Faut être patient, faut être patient, je suis d'accord. La vie de ma mère, il y a un truc, regardez. La corde, elle est toute tendue, faut pas que je le perde. Regardez la corde, comment elle est tendue. Regarde, viens tirer sur mes bras si tu veux. Non mais regarde, vas-y, tire.
T'as vu, il y a un truc. Attends, gros, me dis pas qu'il y a un truc. Oh, je l'ai perdu. T'as vu où je l'ai jeté un peu? L'aimant, il peut prendre 275 kilos. Oh, j'ai encore un truc. Attends. Ah, putain, je l'ai perdu, le truc. J'ai perdu le... Il était énorme. C'est quoi que j'ai pris? C'est des cailloux. Il y a des petites boules de métal comme ça. Je sais pas c'est quoi, on va le mettre à la poubelle. Écolo. Ah ouais, on jette tout. Bon, il y a un truc par là, quoi, en tout cas. Après, je me dis, ça se trouve, la scène, elle a été faite en fer en dessous, comme les piscines. Et ça aimante. Si, c'est possible. Hein. C'est qui l'a créé, la scène? Ben voilà, monsieur Essen, il a fait ça. Gros, on a un truc. Qu'est-ce que c'est de ça? Attends, je veux pas le perdre. C'est quoi? Ça se trouve, c'est avec ça qu'ils ont tué un gars ou quoi? Pièce à conviction. Non, franchement, on a déjà trouvé ça. Je vais le mettre de côté. Je le mets dessus. Attends. Essaye de te gratter, genre. Mais tu sais que je sais pas c'est quoi? Ça se trouve, ça vaut cher. Hein. C'est du fer, en tout cas. Bah bon, on dirait du fer. Alors, est-ce que c'est une pièce métallique ou ça se trouve, ça vient d'un avion? Ou quoi, on met de côté. En tout cas, bonne pêche. On a trouvé déjà un truc. Donc c'est pas fake, vraiment, en fait. Après, il faut trouver le bon butin. Je pense qu'il y a des zones comme la Tour Eiffel, par exemple, où tu vas avoir beaucoup de choses. Mais là, ici, on est c'est la street, mon pote. C'est-à-dire là, tu retrouves des voitures, tu retrouves des trottinettes. C'est à côté de Vitry, tu vois. En tout cas, la technique d'aller tout doucement, ça paye. Est-ce que je me déplacerai pas comme ça? Abonnez-vous à mon Instagram, bien évidemment, à tous mes réseaux, Snapchat, ainsi de ci. Snapchat, très important, parce qu'il faut être certifié. Il faut faire un minimum de beaucoup de... Putain, je mets de l'eau partout. Mais en tout cas, abonnez-vous à mon Snap, parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes dessus. Parce que forcément, l'ancien, il marche plus. Donc, voilà. Bon. Ah. On a deux trucs. Oh, grosse prise, des vis. Ou des... C'est des trucs de fer. Ça se trouve, ça... Ça se trouve, ça a construit la Tour Eiffel, ce truc, hein. Sur eBay. Ouais, je vais les mettre de côté. Je mets tout mon butin ici. Demain, je vais acheter un aimant. Eh, deuxième vidéo, si ça marche vraiment bien, les gens. Si vous aimez, j'achète un aimant qui aimante ma mère. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre comment les gens font pour trouver des trucs de ouf. Hein. Franchement, moi, je veux la preuve. Emmenez-moi. Hein. Je suis là. Hein. Après, je vais tester plusieurs fois. Hein. Là, ça se trouve, on n'a pas de chance. On a quand même récupéré des trucs. Mais on testera autre part. Voilà, moi, j'ai envie de faire un épisode 2 aussi pour voir vraiment et prendre vos conseils sur YouTube. Donc mettez des conseils, voir peut-être que c'est de la prise, je vais trop vite, soit je vais lentement, je sais pas. Franchement, donnez des conseils. Comme ça, moi, après, j'essaie de faire un épisode 2 avec vos conseils pour voir. Et n'hésitez pas, en tout cas, à liker, bien évidemment, même si les trouvailles ne sont pas fameuses. Bon, bah, c'est pas grave, on a testé comme ça. Hein. On peut pas toujours avoir une vidéo parfaite où à chaque fois, il se passe des bonnes choses. Après, on a une hache de Louis XIV, quand même. Ouais, on va essayer, on essaie de tous les côtés. Hein. Si vous avez des spots aussi, envoyez-les-moi sur Twitter, Instagram. Vraiment, on essaiera d'y aller pour voir s'il y a vraiment des choses ou pas. Là, voilà, on a Maison Alfort, il n'y a peut-être rien, hein, rien. Ça se trouve, ils ont nettoyé la scène. Hein. Ça m'étonnerait, mais... Bon, on va pas s'éterniser dessus, ça fait maintenant une petite heure, hein, qu'on est là, ça doit faire à peu près 1h30. Et du coup, on va essayer de voir si on arrive encore à avoir des trucs. Je pense que c'est pas vraiment fameux. Après, voilà, je sors la vidéo, c'est pas dans le but de vous dire, ouais, regardez, c'est que voilà, il n'y a pas des exploits, comme j'ai dit. Maintenant, on essaiera d'avoir des autres choses. Sachez que je vais le faire à Clermont-Ferrand. S'il y a des abonnés qui veulent venir participer avec moi, qui sont de Clermont-Ferrand, bah, je vous donnerai directement sur Instagram un rendez-vous. Là, on va jeter, allez, on teste. Ça se trouve, c'est la bonne pêche. On verra, hein, peut-être que c'est la bonne pêche, peut-être pas. Maintenant, à tester, hein, moi j'ai testé. Je te jure, hey, franchement, pas fake, je m'y tope pas. Là, on a vraiment un truc, par contre. Et il est lourd. Hein. La tête de Wam. Gros, il y a vraiment un truc, gros. La vie de ma mère. Quoi? Mec, c'est un vélo. Mec, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi, ça? C'est un hameçon. C'est quoi, ça? Ça sert à quoi? C'est du fer, après. Je l'ai remonté tellement loin. Oh. On dirait un drapeau, mais bizarre. On a déjà remonté ça. Franchement, c'est concluant. Ça donne envie de continuer encore un peu. Vraiment. Ah, oh, il y a une canette là. On va essayer de la choper.
Là, c'est un bout de carton. Ça ? Tu penses ? Il y a un truc pour les cils. Les gens, ils le jettent, il y a une poubelle là, ta mère. Regarde. On a trouvé ça. Les petites vis ici. Ça fait combien d'années qu'ils sont là ? Ça ? Ça fait des années, c'est sûr. Ça, il y a ça, ça. Je rappelle que le but de la pêche à l'aimant, c'est aussi de faire du contenu, c'est cool, mais ça dépollue aussi la Seine. Donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, on la dépolluera pas non plus à abuser, mais c'est déjà pas mal. Bref, sur ce, on va se laisser là-dessus. Du coup, vous avez vu, ça fait quand même une petite heure qu'on est là. On a essayé de récupérer, on va voir le butin vite fait, ce qui est plutôt pas mal. Quand même, on a trouvé pas mal de choses. Donc on ira les jeter directement dans une benne spéciale. Je pense que c'est pour le faire et tout. On a eu ça, alors est-ce que c'est un truc qui se casse? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, s'il y en a qui savent ce que c'est, voilà. N'hésitez pas. Ça doit être des petites vis. Ah ouais, tu penses? Ah, c'est c'est ça. Parce qu'il y a la rouille à côté, mais t'as vu. Et après, on a récupéré ça. Alors ça, au début, j'ai cru que c'était un bâton de bois. En fait, c'est deux trucs. T'as ça. Je sais pas ce que c'est, et t'as ça, du coup. Ça, c'est un sac poubelle, je crois. Je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à comprendre. Et ça, tu peux le casser. T'as vu tellement que ça a été dans l'eau. T'as vu la puissance de l'eau, quand même. Tu peux casser le truc, quoi. Donc ça, c'est aussi un morceau de fer. Alors, est-ce que ça vient du fond, peut-être? Je sais pas. Mais c'est vrai qu'on dirait un espèce d'hameçon, quoi. Bref, franchement... Ah, regarde, il y a une vis, là. T'as vu? Il y a même un escargot bizarre. Ouais, non, s'il y a une vis, je sais pas, ça peut venir de quoi. Peut-être d'un bateau, je sais pas. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à liker, c'est du doigt, à la partager, bien évidemment. Si vous êtes youtubeur pêche à l'aimant, n'hésitez pas à me contacter par mail. Si vous êtes de la région parisienne ou de Clermont-Ferrand aussi, maintenant, voilà, je suis dans les deux. Donc comme ça, on ira en faire ensemble et je prendrai tous vos conseils et passer sur ma chaîne aussi, ce sera cool. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. La pêche, elle vient quand même et on va dépolluer, c'est déjà bien. Allez, ciao!